Salut. Si vous pouviez voir dans le futur, même à court terme, vous feriez quoi avec ça? De toute façon, laissez tomber, c'est impossible. À moins que... Ok, vous voyez ce que c'est la bourse? C'est cet endroit où vous pouvez acheter un petit bout d'une entreprise en espérant que sa valeur augmente pour en obtenir une plus-value. Et à l'heure où j'écris ces lignes, Apple par exemple, c'est la société qui vaut le plus cher. Et en acheter un tout petit bout, un 15 millionième pour être exact, vous coûterait 188$. C'est le prix d'une action. Et si demain, l'entreprise dirigée par Tim Cuisine annonce une dinguerie ou d'excellents résultats, de nouveaux investisseurs pourraient eux aussi vouloir leur part du gâteau, faisant ainsi augmenter la valeur de l'entreprise et a fortiori de la toute petite part que vous en possédez. Votre action. C'est entre autres ça, ce qu'on appelle placer son argent pour le faire travailler tout ça. Mais évidemment, les entreprises peuvent aussi se casser la gueule et ce que vous pouvez gagner, bah, vous pouvez aussi le perdre. Alors, encore faut-il savoir où viser et quoi miser, et ça c'est tout le travail des investisseurs et des traders. Littéralement, essayer de lire l'avenir. Mais comme on le disait, c'est supposé être impossible, non? Supposé, oui. J'ai une histoire pour vous. L'étrange association de petits prodiges du code ukrainien et de traders peu scrupuleux. Les premiers permettraient de lire dans le futur des marchés, et les seconds s'occuperaient de rendre tout ce petit monde extrêmement riche. Alors laissez-moi vous raconter l'histoire du plus grand braquage des marchés, le piratage des Newswire. Heureux, c'est le Simon du futur, et comme on va parler de placement financier, je pense que c'est la vidéo parfaite pour que je vous explique comment vous aussi vous pouvez vous occuper de votre argent qui dort, votre épargne quoi, avec le partenaire de cette vidéo, Yomoni. Yomoni, c'est une solution de gestion de votre épargne 100% française en ligne, agréée et supervisée par l'autorité des marchés financiers. Donc c'est vraiment du sérieux, j'irai pas vous recommander n'importe quoi, en particulier dans ce domaine. Mais alors concrètement, ils font quoi? Yomoni, leur métier c'est de vous rapporter le plus d'intérêts possible sur votre argent, en se chargeant de le faire fructifier au fil du temps, notamment grâce aux intérêts composés. À partir de 1 000 €, vous pouvez aller sur leur site et effectuer super facilement une simulation pour investir dans un projet, par exemple, socialement et écologiquement responsable si c'est un sujet important pour vous. Je dis ça parce que Yomoni ont pas mal de solutions orientées sur le sujet. Il vous suffit simplement de répondre à une série de questions pour que Yomoni vous donne votre profil de risque. Et en fonction de ça, ils vont vous donner des solutions qui vous correspondent le mieux. Et si vous êtes un néophyte, pas de panique, ils sont faits pour ça. Ils ont une équipe d'experts dédiés pour vous aider. Soit vous gérez tout à distance, soit vous pouvez aussi prendre un rendez-vous du lundi au samedi. Ils ont de l'assurance vie, des PEA, des comptes-titres et des PER. Au-delà de ça, Yomoni, c'est aussi le jeu de la transparence la plus totale avec ses clients. Et donc, leur avantage en plus de la pédagogie, c'est que contrairement aux banques à qui on confie en général ce rôle, bah eux, leurs frais sont vraiment bas et tous annoncés et clairement expliqués. Maximum 1,6% par an contre 3% en moyenne pour les banques traditionnelles. Après, n'oubliez pas, placer de l'argent peu importe où comporte toujours un risque de perte de capital et c'est normal. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout dépend de l'évolution des marchés. Et si ça vous intéresse, Yomoni est là pour vous accompagner du mieux possible. Et je vous mets donc le lien de leur service en haut de la description. On est en 2011, dans l'aéroport le plus fréquenté du monde, l'aéroport Hartsfield Jackson d'Atlanta, aux États-Unis. 300 000 personnes y passent chaque jour, et parmi elles ce jour-là, un certain Vitaly Korchevski. Le taf de Vitaly, c'est de gérer l'argent des autres pour eux. Il bosse à Wall Street, dans un fonds spéculatif, un fonds d'investissement à haut risque, un hedge fund, appelez ça comme vous voulez, mais en gros, tous les BlackRock, Vanguard et toutes ces boîtes dont vous entendez parfois parler font entre autres ça. En gros, Vitaly, vous lui confiez des millions, et il s'occupe de les placer au bon endroit pour vous. Et autant le dire, il n'était pas mauvais, au point qu'au cours de sa carrière, il avait même obtenu la vice-présidence de la branche gestion de portefeuille de l'énorme banque américaine Morgan Stanley. Et avec toute cette expérience qu'il avait accumulée, il avait même fini par décider d'ouvrir son propre fonds d'investissement, baptisé NTS Capital Funds SP. Un fonds qui lui appartenait donc, dont la mise minimale quand même pour le rejoindre était de 500 millions de dollars. Bref, Vitaly et ses boîtes, c'est du sérieux. Et donc, ce jour-là, Vitaly, il n'avait que quelques heures de correspondance avant de quitter le méga aéroport d'Atlanta. Et c'est de ce très court créneau qu'avaient profité Arkady Dubovoy et son associé Alexander Garushka pour lui proposer leur combine. Eux, c'étaient deux entrepreneurs d'Europe de l'Est. Arkady est ukrainien, issu d'une famille assez aisée et qui avait déjà fait pas mal d'argent dans différents secteurs. Quant à son associé de confiance, Alexander, lui, c'était un russo-américain avec qui il avait monté une boîte dans le BTP. Arkady, Alexander et Vitaly s'installent alors quelque part dans cet immense aéroport. Et le premier se met à expliquer à notre super trader qu'il a un plan pour le rendre ultra riche, pour éliminer le hasard plus qu'il ne l'aurait jamais envisagé. En fait, Arkady, il reconnaît lui-même qu'il n'y connaît pas grand-chose en trading, mais prétend quand même avoir accès à des informations qui permettraient à un trader expérimenté comme Vitaly de réaliser des transactions importantes d'actions avec des profits insensés sur plusieurs entreprises sans jamais perdre d'argent et sans aucune chance de se faire avoir. Arkady et Alexander sont juste en train de promettre à Vitaly le délit d'initié parfait. Et ils lui promettent aussi évidemment que s'il les aide à en tirer profit, ils lui refileraient une grosse part du gâteau.
Ok, ok, mais je vous vois déjà arriver. Simon, c'est quoi un délit d'initié ? Je sais que vous parlez comme ça, arrêtez de faire genre. Les délits d'initié, c'est un truc vieux comme le monde. Ça désigne le fait qu'une personne se serve de connaissances privilégiées qu'elle aurait sur une entreprise pour faire du profit. Pour donner un cas concret, je sais pas, c'est comme si t'étais cadre chez eBay par exemple, et tu sais, parce que t'es dans la boîte, que le site va annoncer dans pas longtemps une mise à jour qui va le rendre 10 fois plus attractif. Et du coup, t'en profites en sachant ça avant tout le monde pour investir de l'oseille dans les actions de la boîte. Bah ça, c'est illégal, parce que tu triches en fait, quoi. C'est ça un délit d'initié. Et ce que prétendait avoir en sa possession Arkady auprès de Vitaly, c'était un flux d'informations solides et fiables de manière quotidienne sur des dizaines d'entreprises américaines différentes avant que celles-ci ne soient rendues publiques. Donc je pense que vous avez compris, c'est littéralement le rêve de n'importe quel trader en somme. Ok, accrochez-vous parce que c'est maintenant qu'il va falloir rester avec moi. Pavel, c'est le frère d'Arkady, lui avait présenté sans qu'on ne sache trop comment un certain Roman, un moscovite à fond dans les entourloupes et connecté au dark web. Roman, lui, c'était un intermédiaire qui bossait aux côtés d'un mec dont on ne sait presque rien, un autre russe surnommé Egg PLC. Et ce mec-là, c'était lui aussi depuis des années un pro des fraudes sur les marchés. Au point qu'en 2009, il avait même repéré puis recruté via des forums un jeune hacker prodige ukrainien de tout juste 20 ans, un certain Ivan Turchinov, pour lui obtenir des infos qui pourraient tous les rendre très riches. Et pendant deux ans, de 2009 à 2011, Egg PLC et son hacker Ivan vont se faire de l'oseille en revendant les infos que réussissait à obtenir Ivan. Sauf qu'à un moment, les deux ont voulu accélérer la cadence et ils ont commencé, via des intermédiaires comme Roman, à chercher d'autres personnes prêtes à utiliser leurs techniques pour s'enrichir, tout en prenant évidemment une bonne com sur les profits. Ivan le hacker ramasserait 40% de ce que les traders généreraient grâce à ses hacks. Et Egg PLC à l'origine du plan, ainsi que les autres intermédiaires comme Roman avec lui, qui s'assuraient que tout le monde ait bien sa part et ce qu'il leur fallait pour bosser, toucheraient eux 10%. Et si Arkady, son frère Pavel et son associé Alexander étaient peu scrupuleux et partants pour être de la partie, bah ils étaient pas pour autant des pros du trading quoi. D'où ce rendez-vous avec Vitaly à l'aéroport d'Atlanta pour qu'il leur file un coup de main en échange d'un pourcentage à lui aussi. Ok, je résume le schéma pour être sûr que tout le monde a bien compris. Des traders sont en contact avec des intermédiaires russes qui eux-mêmes sont en contact avec Ivan, un hacker ukrainien. Histoire de compartimenter qui c'est quoi. Super, maintenant vous avez le plan, mais le truc d'Ivan qu'il avait d'ores et déjà rendu riche lui et ses intermédiaires depuis 2009, ça consistait en quoi ? Pour que vous compreniez l'arnaque, il va falloir que je vous explique ce qu'est un business newswire. En gros, pour surveiller les marchés, il existe un organisme, la SEC, pour Security and Exchange Commission, aux États-Unis, qui oblige les entreprises cotées en bourse à publier régulièrement publiquement leurs rapports financiers. Donc ces rapports, bah, ils popent tous les quelques mois et ils indiquent aux investisseurs comment l'entreprise se porte. Leurs dettes, leurs chiffres d'affaires, les ratios de rentabilité, tout ça. Et faut bien comprendre que ces infos, ces stats, c'est ce que les traders veulent pour savoir si un investissement est bon ou pas. C'est de l'or pour eux, c'est pas plard, c'est l'état de santé d'une entreprise. Et beaucoup, beaucoup de boîtes, pour éviter d'avoir à s'emmerder avec la publication eux-mêmes, font confiance à des entreprises spécialisées dans le domaine qui ont déjà tout le réseau pour que l'info se propage le plus loin et rapidement possible. Ce sont nos fameux business newswire. Fil de presse pro en français si vous préférez. Et ces organismes sont donc naturellement consultés par tous les investisseurs du monde. Eux, donc, ils reçoivent les rapports financiers des entreprises quelques temps avant qu'ils n'aient à devenir publics et les publient finalement via leur réseau pour les entreprises qui sont leurs clientes quand celles-ci le décident. C'est souvent seulement quelques heures après avoir reçu les documents en question. Et est-ce que vous commencez à voir où est-ce que l'on va là? Non, parce que, je sais pas, s'il y avait par exemple un moyen d'entrer dans les serveurs de ces newswire, on pourrait peut-être avoir une fenêtre de tir de quelques heures entre le moment où ils reçoivent les infos des entreprises et celle où ils les rendent publiques. Ouais, vous avez compris, c'est ça le tour de magie d'Ivan. Et en 2010, les trois plus grosses agences de newswire des États-Unis étaient BusinessWire, PR NewsWire et MarketWire. Cherchez pas, je pense que s'ils mettent pas Wire dans leur blaze, ils explosent. Et Ivan avait accès non pas à une ou deux, mais aux trois. À base d'injections SQL, de backdoor dans du PHP et de phishing, chacune des trois agences était tombée les unes après les autres. Ivan avait la main sur toute leur base de données en temps réel, le plus discrètement possible. Mais entrer dans les serveurs, c'était seulement la première partie du plan. Parce qu'ensuite, faut bien se rendre compte que tout doit aller très très vite. Comme je vous le disais, en général, les documents n'arrivaient que quelques heures sur les serveurs des newswire avant d'être rendus publics. Ivan a donc rapidement monté un serveur dont il confierait la gestion et la promotion à ses intermédiaires et auquel les traders pourraient eux se connecter pour éplucher tous les rapports récemment uploadés et décider en fonction de s'ils se positionnaient sur les marchés ou pas. Et c'est là où tu te rends compte qu'il y a vraiment des mondes différents. Dites-vous, Ivan, il s'était même fadé de faire une vidéo tuto à destination des traders pour leur expliquer comment accéder au serveur facilement en utilisant un proxy ou un VPN pour brouiller le plus possible leur IP à chaque fois. Salut mes loulous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment accéder au serveur qui vous rendra multimillionnaire. Ça n'a
aucun sens. Enfin, comme je vous le disais, Yvan lui récupérait 40% de chaque gain des traders qu'il lui versait ensuite sur un de ses comptes à Macao ou en Estonie. Et les intermédiaires comme Egg et PLC y veillaient et prenaient eux 10% des gains. Et alors, Dieu sait qu'ils en faisaient de la thune avec leur technique. Je vais vous donner quelques exemples des sommes dont on parle. Vous connaissez Caterpillar? Mais si, c'est l'entreprise qui fabrique des équipements de construction, de minage aussi, enfin tout ça qui est ultra connu. Bon, bah eux, ils passaient par PR Newswire pour publier leurs chiffres. Et en octobre 2011, ils leur ont envoyé des documents attestant de bénéfices 27% meilleurs que ceux de l'année précédente. En gros, je traduis, l'entreprise se portait putain de bien. Et ils voulaient que PR Newswire balance l'information 72 heures plus tard. Mais, comme de par hasard, juste après que les documents soient uploadés sur les serveurs de PR, quelques traders, visiblement très clairvoyants, ont acheté pour 3800 actions du groupe. Il y en avait pour environ 5,9 millions de dollars. Et donc, 3 jours plus tard, les bons résultats de Caterpillar sont publiés officiellement, l'action naturellement monte et les traders revendent et repartent avec 648 000 dollars de profit sans avoir rien foutu. Est-ce que c'est putain d'indécent ? Oui. Ok, un autre exemple, l'entreprise Dendreon. C'est un gigantesque groupe de biotechnologie, pharmaceutique, tout ça. Le 3 août 2011, ils envoient eux aussi à PR Newswire un communiqué annonçant d'excellents résultats. PR l'upload sur leur serveur à 15h34 et ont pour ordre de le publier à 16h01. Mais devinez qui va, 5 minutes avant, à 15h56, acheter 1100 actions du groupe Vitaly, ce beau gosse. Putain, vous connaissez la chanson. Quelques minutes plus tard, le communiqué de presse est rendu public et le lendemain, quand les marchés réouvrent, l'action de Dendreon explose et Vitaly repart avec 2,3 millions de dollars. Je pense qu'on peut le classer dans les nuits les plus rentables de l'histoire à cette heure-ci. Bon, je vous épargne des détails, mais faut bien comprendre qu'ils ne s'arrêtaient pas. Ils suçaient tous de l'oseille dans tous les sens. D'ailleurs, ils ont même relancé leur dévolu sur Caterpillar 3 mois plus tard et ils feront une fois de plus des millions de profits. Enfin, ça paraît beaucoup trop facile. Sauf qu'en vrai, bah, pour une fois, ça l'était parce que vous voulez savoir le comble, c'est que pendant ce temps-là, à la même période, MarketWire attaquait en justice son rival PR Newswire en réclamant 25 millions de dollars parce qu'il les accusait de débaucher leur staff. Enfin, ces abrutis étaient à des années-lumière de capter qu'ils étaient en train de se faire baiser depuis des mois par un hacker ukrainien et sa petite troupe de traders malhonnêtes là. Eux, ils étaient là en mode « Ouais mec, t'as recruté Didier de la compta, c'est pas cool !» et de se foutre sur la gueule pour ça en justice quoi. Bon, vous l'avez compris, les types étaient pas les plus à plaindre. Et encore moins Yvan à la base de la combine qui lui ramassait quand même 40% de tous les gains. Du coup, qu'est-ce que tu fais quand t'es à l'origine d'un délit d'initié mondial ultra performant qui rapporte des millions de dollars ? Voilà, exactement. Évidemment, tu t'en sers pour pécho et flex en boîte. Franchement, pendant longtemps, je pensais que tous les méchants dans les films, c'est qui racontent leurs plans aux gentils après les avoir capturés, c'était stupide de ouf. Mais en fait, je me rends compte que la réalité, elle rattrape beaucoup trop de fois la fiction. Yvan était zéro discret, ok? Il sortait tous les week-ends en club avec ses montres de luxe, parfois 3 ou 4 au poignet, parce que pourquoi pas? Il se ramenait dans des grosses hypercars, enfin, rien de bien suspect finalement. Sauf qu'un soir, un peu rebou, il a balancé le fonctionnement de son business à quelques potes à lui dans un coin VIP d'un club de la capitale ukrainienne. Et c'est clairement pas passé dans l'oreille d'un soir. Un de ses potes, ce soir-là, Oleksandr Yeremenko, a trouvé ça stylé. Et évidemment, il s'est dit que ça serait sympa que lui aussi soit de la partie. Alors on sait pas trop s'il a demandé à Yvan et que ce dernier lui a dit d'aller voir ailleurs, ou s'il l'a juste doublé directement, mais dans tous les cas, Oleksandr a demandé main forte à un autre pote à lui, un certain Vadim, et ensemble ils ont pénétré les trois principales newswires à leur tour et en ont profité pour dégager les accès d'Yvan. Ah bah super sympa les potes qui te carottent ton plan à plusieurs millions de dollars. D'autant plus qu'évidemment les traders et les intermédiaires ils se sont vite retournés vers Yvan puisque il n'y avait plus rien comme info qui arrivait sur les serveurs. Les intermédiaires ont tellement fait pression qu'Yvan n'a eu d'autre choix malgré lui que de coopérer avec Oleg et Vadim en les ajoutant au plan pour qu'ils puissent qu'écro eux aussi. Ce qui a donc ajouté deux hackers à la combine et donc d'autant plus de revues de presse faisant encore plus grossir leur business et les rendant certes encore plus riches mais surtout de moins en moins discrets. Vous vous en doutez bien, un truc aussi important que les marchés financiers mondiaux, c'est pas laisser sans surveillance. La SEC, elle oblige les entreprises à publier leurs rapports, mais elle fait pas que ça. Hein. Leur but, c'est aussi et surtout d'empêcher n'importe qui de tricher, justement. Mais bon, déjà en 2011, la quantité de transactions réalisées, ne serait-ce que sur les marchés américains, c'était impossible pour un ou même plusieurs humains à vérifier, repérer des patterns ou des mouvements suspects, quoi. Et c'est là qu'intervient Artemis, pour Advanced Relational Trading Enforcement Metrics Investigation System. En gros, c'est un algorithme mathématique qui fonctionne sur du big data combiné à des outils d'analyse qui permettent à la SEC de vérifier la faisabilité et la cohérence de millions de transactions sur la base de milliards d'autres qui ont été réalisées par le passé.
Voyez ça comme l'œil de Sauron et les marchés, c'est le Mordor. Quant à Sam et Frodon déguisés en orques, ce sont nos traders, voilà. Bon bah, quand le regard se porte sur toi, disons que t'es un peu dans la merde, quoi. Et à force d'avoir les yeux plus gros que le ventre, Artemis a commencé à remarquer quelque chose et la SEC a prévenu le FBI, qui a immédiatement prévenu PR Newswire qu'ils étaient plutôt convaincus que quelqu'un était en train de se balader sur leur serveur. On est alors en mars 2012 et ça y est, nos Ukrainiens ne passent plus inaperçus. Et naturellement, un matin, à Kiev, les baraques d'Oleg et Ivan sont perquisitionnées. Leur matos saisi et toutes les preuves qu'ils contiennent. Des centaines de communiqués de presse ainsi que leurs accès étaient entre les mains des autorités. Bon bah, voilà, hein, fin de partie pour nos apprentis loups de Wall Street. Sauf que ça, c'était sans compter sur le formidable monde de la corruption. Personne ne sera arrêté, et en fait, faut pas mentir, Oleg et Ivan, ils le savaient un peu. Déjà, il existait même pas de loi permettant l'arrestation et l'extradition d'Ukrainiens coupables de crimes aux États-Unis vers l'Amérique. Quant aux autorités ukrainiennes elles-mêmes, bon, de forts soupçons existent sur le fait qu'une ou deux montres de luxe, peut-être une Bentley aussi, et une maison offerte généreusement, ainsi qu'un accès au serveur, leur auraient permis d'éviter des poursuites dans leur propre pays, quoi. Enfin, quant aux identités des traders complices, les deux hackers étaient quand même assez sûrs d'eux. Ils avaient surprotégé et couvert d'anonymat les personnes avec qui ils travaillaient, notamment puisqu'ils passaient justement par des intermédiaires pour ça. Donc, même en dépeçant leurs machines, les autorités américaines auraient du mal à trouver les fraudeurs. D'accord. Alors, bah... back to business ? Le dénouement de ce coup de pression avait eu tout l'effet inverse de ce que les autorités souhaitaient. Ça leur avait tous donné confiance à mort. Et de ce jour-là, les recrutements de traders n'ont plus jamais cessé. Vitaly embarquait des connaissances de son église, Arkady, d'anciennes connaissances à lui aussi, son comptable, un certain Léonide et un autre gars, Vlad, puis son propre gamin, Igor. Les traders, ils envoyaient leur liste de courses aux intermédiaires qui se démerdaient pour leur fournir les communiqués de presse plus nombreux et rapidement que jamais. C'était encore plus indécent que l'indécence. Arkady, Vitaly et tous leurs potes faisaient des millions à chaque coup en achetant des dizaines de milliers d'actions à chaque fois au dernier moment. Sauf qu'un élément va tout faire basculer. 2 ans après la perquisition, sur un petit voyage au Mexique de trop. Vous vous rappelez de Vadim ou pas? Le pote d'Olek avec qui ils avaient mis ensemble à l'amende Ivan quelques années plus tôt. Bon bah, en 2014, ils décident de s'offrir un petit voyage tranquille à Cancun. Sauf que Vadim, lui, les Américains, ils étaient au courant qu'il était dans le coup depuis la perquisition 2 ans auparavant. Et alors qu'un soir, il profite du restaurant de son hôtel, des policiers mexicains viennent l'arrêter pour l'amener direction l'aéroport. Ils prétextent qu'il n'est pas le bienvenu au Mexique pour une histoire de fraude de carte bleue. Ils font grimper dans un avion, direction l'Europe de l'Est, avec une escale à Dallas. Lorsque l'avion atterrit sur le sol américain, 4 mecs en costume se lèvent au premier rang et descendent l'allée principale pour aller interpeller Vadim. Pendant 9 mois, les Américains le travailleront encore. C'est simple, soit ils ne coopéraient pas et bouffaient 20 ans, soit ils les aidaient et on pouvait peut-être négocier 3. La question, elle est vite répondue, je pense, et c'est comme ça que petit à petit, le FBI ont pu apprendre les identités des traders qui étaient à leur portée. Un travail de très longue haleine qui, combiné aux analyses d'Artemis, a fini par payer. Alors enfin, le 15 août 2015, quelqu'un frappe à la porte de l'immense baraque de Vitaly en Pennsylvanie. Quelques agents du FBI lui sourient, un mandat d'arrêt à la main. Et au même moment, à 1500 km de là, dans l'état de Géorgie, Arkady et son fils se font eux aussi arrêter. Puis c'est au tour d'Alexander, son associé de toujours, et Léonide, Vlad, et tous les plus gros traders mis dans le coup. Certains, comme Arkady, plaideront coupables, d'autres, comme Vitaly, eux n'iront en bloc. Mais par contre, tous s'entre-balanceront pour écoper le moins possible. Au final, aucune des 7 personnes qui se sont fait arrêter le 15 août n'en ressortira indemne. Vitaly sera condamné à 5 ans de tôle, 14 millions de dollars confisqués et 250 000 dollars d'amende. C'est d'ailleurs probablement lui qui a pris le plus cher, mais d'une manière générale, ils ont tous, dans tous les cas, écopé de plusieurs millions de dollars dans la gueule et de la zonze. Et les 3 seuls petits malins à en être réchappés sont Ivan, Oleg et Pavel, qui sont tous les 3 probablement planqués quelque part en Ukraine, en Russie ou en Biélorussie, qui sait. Et aujourd'hui, toujours sur la liste des fugitifs les plus recherchés par les Américains. Si vous retrouvez Oleg, d'ailleurs, sachez qu'il y a encore actuellement une prime d'1 million de dollars pour quiconque aiderait à sa capture, voilà, si jamais vous savez pas quoi faire de votre week-end. Et à mesure que les procès ont avancé, bien entendu, les failles des Newswire ont été colmatées et la fraude a fini par sombrer. Le type à l'origine de tout ça, celui-là même qui avait eu l'idée de recruter Ivan, le Moscovite Egg PLC, est quant à lui toujours inconnu au bataillon. Enfin, la SEC a plus tard estimé les profits réalisés grâce à la fraude à plus de 100 millions de dollars et ils sont certains qu'on est encore loin du montant réel. Parce que si Arkady, son frère, son associé Vitaly et ses proches étaient parmi les plus avares et les moins discrets et donc les premiers à tomber, ils ne sont qu'une partie de l'affaire. Le FBI a plus tard identifié plus de 100 autres personnes avec qui les intermédiaires étaient en contact. On parle de ce qui reste encore à ce jour le plus grand délit d'initié de l'histoire, enclenché à Moscou, fabriqué à Kiev pour toucher New York et dont une bonne partie des ramifications resteront encore pendant longtemps un immense casse-tête à démêler. For more than 5 years, hackers largely operating in Ukraine
repeatedly penetrated the networks and servers of MarketWired,